Hey, salut à tous les amis, c'est Rika, on se retrouve sur Minecraft pour le deuxième épisode de la série qui a toujours pas de nom, mais c'est pas grave, elle en aura un moment. Yoke Adventure numéro 2, épisode 2, voilà. Donc, on continue la série, donc on avait pris les items, on avait fait tout ça, et nous voici dans le village, notre maison est ici, nous avions des poules et des poules et des vaches. On avait des cochons, tiens, qu'on a mis dans un trou d'ailleurs. Là, c'est la nuit, donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce que je pense faire actuellement, je pense qu'on va faire un petit truc vite fait. Là, déjà, je vais set le compteur. Je vais lancer le compteur. Tac, tac, tac. Voilà, en avant. Donc, ce que je vais faire, ce que je pense faire, c'est que je vais aller mettre une dirt devant les portes de toutes les maisons pour que les villageois ne puissent plus sortir. Et pour que les monstres ne puissent pas rentrer également. Voilà. Donc ça, on s'en bat les couilles. Ici, c'est une maison. Il y a des gens dedans? Il y a un gens dedans? Il y a deux gens dedans? On met une dirt. Il y a personne là-dedans? C'est normal, c'est pas une maison. Là-dedans, il n'y aura personne non plus parce qu'il n'y a pas de porte. Ici, est-ce qu'il y a des gens? Des gens dans celle-là? Il y a un gens dans celle-là. Donc une dirt. Il y a des gens dans celle-là? Il y a deux, ah oui, il y a des gens dans celle-là. Donc une dirt ici. Bah après, je mettrai du gravier au pire. Tac. Il y a des gens dans celle-là. Il n'y a personne dans celle-là. Parfait. Il y a personne dans celle-là. Il y a des gens dans celle-là. Il n'y a personne dans celle-là non plus. Ici. Quelqu'un? Personne. Quelqu'un ici? Personne. Quelqu'un là? Non. Et ensuite, il n'y aura personne et celui là-bas mourra dans d'atroces souffrances. Voilà. Je vais juste aller barricader l'autre porte de la maison. Et ce sera fait bien. Voilà. Donc pourquoi est-ce que je fais tout ça? Meurs le squelette. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Parce que je me prépare à partir. Je me prépare à descendre un peu dans les profondeurs des mines. Et je veux absolument que les villageois soient en sécurité pendant mon absence. Donc je vais également aller. Nope! Alors, on est déçu? On est niqué? Hé hé. Voilà, on est niqué, on est déçu, c'est incroyable. Pauvre zombie. Tellement déçu, tellement de déception en lui. Pourquoi est-ce que t'es venu là? Juste vite fait, hop, tac, tac. Voilà, on va sortir de là. Je vais également virer la terre qu'il y a ici. Je sais pas si. Non, ils vont faire le saut. On va virer ça. Je vais virer également la terre qu'il y a ici. Hop, 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 hop. Histoire d'isoler aussi cette baraque. Avec la terre que j'ai, on va mettre une dernière dirt. Faut que je peux pas l'atteindre. Une dernière dirt là-bas, je vais peut-être l'atteindre là. Ouais, c'est bon. Je l'ai atteint. Voilà, donc c'est juste pour protéger les maisons. Même si les villageois ne peuvent pas sortir, fuck it. Je préfère qu'ils ne puissent pas sortir mais qu'ils soient en sécurité plutôt qu'ils puissent sortir et qu'ils meurent. Donc voilà, les maisons sont bien éclairées normalement. Donc théoriquement, il ne devrait pas y avoir de meurtre en série ou de zombification de masse. Et si tel est le cas, bah, on aura l'air con et puis c'est tout. Voilà, donc je vais partir un peu à l'aventure. On va essayer de trouver une mine dans laquelle on va pouvoir choper, je l'espère, des diamants, etc. etc. Agro? Agro! Ah, comment il va vite? Oh, la fusée! Ender fusée! C'est bon, je l'ai eu. Parfait. Ça, il allait vachement vite pour un Enderman. Bizarrement, je trouve qu'il allait très très vite. Il allait très 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 vite. Nope, nope, nope. Toujours pas. Pas d'araignée. Non, les araignées ne mourront pas. Encore un? Je veux bien t'affronter, mais pour l'instant, il faudrait que je mange. Et que je me débarrasse de cet ennuyant petit squelette. Parce qu'il faut que personne n'intervienne dans notre combat, Enderman. Parce que tu sais très bien que toi contre moi, c'est un combat plutôt épique. T'arrêtes de t'en battre les couilles, oui? Le mec, je le regarde, il s'en bat les couilles. Ils sont devenus faciles à tuer ou quoi? Enderman tellement easy, mon dieu. Je pensais que ça allait être compliqué à tuer Enderman, mais bah, apparemment non, j'ai rêvé. Bon, très bien. Bleh.
Ah bah tu peux pas rentrer, t'es déçu. Mais dommage pour toi. Donc, où est-ce qu'on va aller? Je ne sais pas. Où est-ce qu'il y a une entrée de mine? J'en sais rien. On va explorer un peu. Jusqu'à ce que je trouve une entrée de mine. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, araignée? Non, pas la witch. Pas la witch. Les witches, c'est trop chiant. Les witches, ça veut ta mort. Je n'aime pas les witches. Donc non, pas la witch. Va-t'en. Va-t'en. Meurs. Aïe, 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 aïe. Tu piques! Putain, il fait trop mal. Ça fait trop mal, les bébés zombies. Ici, il n'y a rien. Parfait. Juste une jolie petite faille. Est-ce qu'il y a une entrée de mine pas loin? J'espère qu'il y en a une. S'il y a une entrée de n'importe quoi, un trou dans le sol ou quoi que ce soit. Ok, non. Bonjour! Excuse-moi, meurs. Meurs. Meurs, meurs, meurs. Meurs également. Meurs aussi, meurs toujours. Voilà. Meurs égal. Non, mais quel con. Pourquoi je lui fonce dessus, moi aussi? Bah voilà! La blague en train de mine. Merci, Creeper. Merci, Creeper. Et c'est une entrée de merde. Parfait. Bon, bah, pas merci, Creeper. Ah, non. Toujours pas. Toujours pas. Je vais être déçu, je crois. Ah, il y a des moutons. Ah oui, on va prendre ça. On va couper les moutons. Squeak. Donnez-moi tout. Comme ça, j'aurai de quoi me faire un lit. Putain, il y a des moutons de toutes les couleurs. C'est parfait. C'est parfait. Non, c'est pas une entrée, ça. Ça, c'est pas une. Oh, c'est une entrée, ça. Pas du tout. Ce n'est pas une entrée, ça. Il y a un Underboule en plus. Il y a un Enderman, parfait, ça c'est un trou. Ça c'est une forêt, forêt, entrée. Oh! Hello! Oui, boum. Non, pas de boum. Oh, mais what the fuck? Mais ils sont armés! Ouais, ils sont deux! Mais what the fuck, l'invasion de squelettes, mon dieu! Mais ils ont pas masse ou quoi là? Pourquoi est-ce que je me suis fait attaquer par un groupe armé de squelettes? Qu'est-ce que je leur ai fait? Est-ce que j'ai du blé sur moi? Oui, j'ai du blé sur moi. Donc je pourrais au moins me faire du pain. Pardon. Mais je t'ai tué. Allons-y. Entrons un peu dans les profondes. Putain, ta race, il y a encore la lumière du jour là-bas. Il y avait une autre entrée? Oui, mais elle est sous un arbre, donc on s'en fout. Bon, parfait. Ça continue par là. Là, par contre, ça m'intéresse. Bonjour. Bonjour. Mais ta race! Mais y a rien! Mais y a rien sous cette terre! Elle est nulle, cette map! Pourquoi y a rien? La faille, la crevasse, là-haut, des roses. Des roses, des roses. Des roses, des roses, des roses, encore des roses. J'aime les roses. Et des lilas. Bah en fait j'aurais pas dû prendre des fleurs, il y en a partout. Je m'en suis donné, mais en fait il y en a partout, donc c'est très con. Oh attends, vous allez me donner votre viande, le jour va se lever, donc autant que je vous tue maintenant. Oh l'armée qu'il y a! Oh l'armée! Dit ça va là tranquille. Ah bah merci Creeper d'avoir foutu un chaos monstrueux dans cet endroit. T'as même pas pris les dégâts d'explosion de ton pote toi? FDP. Bon maintenant qu'on a fait des ravages dans à peu près toutes les espèces vivantes et morts vivantes du coin, est-ce que ça serait possible d'avoir une mine? Non, parce que c'est pas tout ça, mais je fais un carnage à peu près depuis tout à l'heure et. À part affronter des monstres. Non, pas que je n'aime pas ça, mais. Une witch. Est-ce qu'on se la tente? Oui, on peut se la tenter si on se la prend bien. Meurs! Voilà, faut la tuer très vite, la witch. Si vous voulez la prendre à l'épée, faites-la très très vite. Le plus vite possible. Vous la bourrinez comme des malades, elle va finir par crever.
Faut la bourriner, faut 4 coups pour tuer une witch avec une épée en fer. Je sais pas combien il faut pour les autres épées, mais pour une épée en fer, en tout cas, c'est 4 coups. Meurs. 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 What the f... Comment il a pété vite, celui-là? Mon dieu. Je trouve qu'il a pété vachement vite. Des lapins, des lapins, des lapins, des arbres, des trucs, des... Une plaine, des... Mais ils sont où les failles et les trucs de Minecraft bien, là? Mais où sont les cavernes? Où sont les diamants? Où sont les caves? Oh, c'en est une, ça. Caverne! Enfin, j'en tiens une. C'est un marais, là-bas? Ça va, tout là, c'est un marais. Je vois des lianes suspendues à un arbre, donc certainement un marais. Est-ce une caverne? Il y a du charbon. Est-ce une faille? Tarasse la faille. Ah ouais, ça j'aime. Vous voyez, une bonne montagne avec une bonne vieille faille. Des failles. What the heck? La profondeur du merdier. Bon, bah je propose qu'on s'attelle à ça tout de suite, dès maintenant. Est-ce que je peux... Oui, bon, bonjour. Bonjour. Je vois de la lumière derrière. Est-ce que c'est encore une sortie à l'extérieur? Non. Non, pas du tout, c'est ma lumière qui s'est propagée. Parfait. Bonjour. Eh oh. Eh oh. Eh oh. Écho. Bon, bah je propose qu'on creuse, hein. Écoutez. Ou alors qu'on se jette là, mais ce serait ridicule. Bleu. On n'a pas intérêt à faire les cons, c'est moi qui vous le dis. J'ai pas envie de sauter. J'aurais bien été sauté dans la source là, mais j'ai pas envie. Donc on va creuser de façon correcte et bien. Par contre, c'est qu'une pioche en fer, je pense que ça tiendra pas tout ce merdier. Parce que là, je vais casser vachement de trucs avec. J'ai peur qu'elle ne tienne pas. Ah bah c'est... Ah bah c'est malin. C'est malin ça. Tac, tac. Voilà. On va peut-être atteindre la source de flotte. Hein. Allez vas-y, on descend avec ça. Allez YOLO. YOLO, 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 YOLO puissance 1000. On y va avec la flotte. Bonjour. Nous voilà tout en bas de la crevasse. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Elle a l'air vachement grande. Vachement belle. Est-ce que... Ouais, il y avait un... Il y avait un poisson. Enfin, un truc qui donne de l'encre. Un poulpe, voilà. Il y avait un poulpe. Je dis il y avait parce qu'il est mort, mais... Attends, oh je suis sérieux, je suis déjà plein. Mon inventaire est déjà plein. Je suis un peu dégoûté. Alors oui, non mais j'ai rien spécialement contre la flotte, mais là je vais faire une petite écluse quand même. Ouais, elle a l'air vachement intéressante cette crevasse. On va passer par là. Ding, 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 ding. Je vais pas taper dans le naturel, hein. On va éviter d'emmerder la flotte. C'est plutôt joli, donc on va garder ça. Est-ce que je peux te descendre, toi? Ouais, je t'ai descendu. Si. Oh. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus de place. Spider-Eye, Spider-Eye, on va manger le Spider-Eye. J'ai trop de trucs sur moi. Ça me saoule, j'ai trop de trucs. Qu'est-ce que je fais? Du fil, non, le fil c'est intéressant. Non, le fil c'est pas intéressant. Quoique, non, attendez, je vais bouffer le Spider-Eye. Non. Si. Non. Si. Non. Si. On fout, c'est qu'un petit poison de merde, on s'en bat les couilles. Pas un gros poison. On en risque rien. Ça par contre, je vais taper dedans parce que j'en ai besoin.
Ensuite, on ira explorer ce qui est réellement intéressant, c'est-à-dire les profondeurs de la crevasse et donc certainement ce qu'il y a par là. Voilà. Par là. On a quel niveau dans cette crevasse? Nous sommes à la. Ah oui, on n'est qu'à 30. On n'est qu'à 30 au point le plus bas. On n'est pas profond. C'est décevant, mais bon. On va pas pleurer non plus, hein. C'est déjà ça, 30. On est à 30 au point le plus bas. Donc c'est pas énorme. C'est pas la crevasse de compète. Et tout de même. Nous sommes quand même profonds. Et il y a possibilité que la crevasse nous donne également d'autres endroits où nous poser. D'autres endroits où nous pourrons accéder peut-être à plus profond. Pourquoi il y a de la cobble? Pourquoi cobble? Why? Why cobble? Je comprends pas pourquoi, quel est l'intérêt de nous donner de la cobble. What the fuck va die? Sac à merde. Voilà, et ton XP, bah, elle partira dans les enfers. Je suis déjà niveau 19. Wouah, tellement de combats. Ok, je me suis donné des potions d'XP, mais quand même. Non, 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 non. Je veux pas que l'eau me revienne dans la gueule. Voilà. On va se libérer un passage quand même, mais au moins il faut du respect. Non, mais ça c'est juste chiant. Très bien. Très bien. Donc c'est la faille la plus faille que j'ai jamais vue. C'est une faille, il y a marqué faille dessus, et voilà. Incroyable. Donc voilà, hein, c'est juste un trou. C'est juste un gros trou, un très gros trou. Je pensais m'attendre à des trucs incroyables et tout ça, des aventures épiques et tout, mais non, c'est juste un trou. Bon écoutez, on va pas pleurer non plus, hein, on a quand même trouvé un petit truc. Du coup, est-ce que je ferais pas mieux de commencer à creuser ici? Il y a du fer là-haut, j'ai vu, mais j'ai pas envie d'aller chercher. Vous savez quoi? On va faire un puits de mine ici. C'est tout. Non mais pourquoi du gravier? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce qu'on m'attaque déjà avec du gravier? J'aime pas le gravier, vous le savez. Minecraft, tu devrais le savoir, ça fait des années que je te joue, j'ai jamais pu supporter ne serait-ce que la moindre putain de parcelle de gravier, alors. Pas la peine de m'en donner. J'aime pas ça, j'aime pas ça. Des torches, please, j'en avoir besoin. Il y a des araignées. Peut-être censé me rassurer. Oh! Bah voilà! On l'a la vie souterraine. On l'a. Bonjour. Non, non et non. Trois coups de hache à terre. Ah bah oui. Oui, voilà, là j'apprécie. Là je veux bien, là je tolère. Pardon, excuse-moi araignée, je voulais pas te déranger. Je voulais pas t'éclairer comme ça alors que tu dormais profondément, mais. Mais vois-tu, j'ai besoin d'un peu de vision dans cette obscure contrée. Et j'ai besoin de... What? Du lapis! Ah ah! J'ai besoin de lapis aussi, bizarrement. Bizarrement, j'aime le lapis. Le lapis même. Nous aimons tous le lapis. Donc, qu'est-ce que... Pourquoi tu m'as pas encore sauté dessus, toi? Ils veulent plus me sauter dessus ou quoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? La dirt. Est-ce qu'on laisse tomber? Non, on va pas tomber la beurre, par contre on va tomber la cobble. Tomber la cobble, tomber la cobble, tomber. C'était nul. Il y en a, elles m'en veulent, il y en a par contre, elles me disent rien quoi. Mais c'est très bien ici. Oh, c'est moins bien là, d'un seul coup. C'est moins bien. Viens, viens, petit squelette. Mon épée va se casser la gueule tellement j'ai fight. S'en bat les couilles ici. Oh, il y a de la lave. C'est intéressant la lave. Ça peut peut-être laisser présager quelque chose d'incroyable.
Genre du fer en masse. Du fer, encore plus de fer. Parfait. De la redstone et encore du fer. Parfait. Maintenant, bah, la redstone, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on bouffe le dernier steak et qu'on laisse tomber? Est-ce qu'on garde... Je vais garder les ink sacs parce que ça peut être joli. Les laines, j'ai envie de les garder. Qu'est-ce que je peux acheter? La dirt. La dirt. La cobble. Bonjour. Quelle couche? 11. Ah ah, le diamant. Le diamant n'est pas loin, mes amis. Nous ne sommes pas si loin que ça des contrées dans lesquelles le diamant est roi. Dans lesquelles la richesse sourit à ceux qui creusent. Ces contrées miraculeuses que j'ai bien envie de m'empresser de visiter. Tac! Non, la lave. C'est quelque chose là-bas. Oh, oui, je sais que c'est la fin. Je sais que c'est la fin de l'épisode, mais j'ai envie de continuer un peu. Je vais te creuser là pour voir s'il y a quelque chose. Donc c'est un petit lac de lave. Bon, vous savez quoi? On va creuser là en plein milieu parce que je sais pas. J'ai décidé qu'il allait y avoir du diamant là sous nos pieds. Donc il y aura du diamant sous nos pieds. On va tomber sur du diamant ici. À peu près. Hein, ça devrait être plutôt pas loin. Il va briller, une petite musique va se déclencher. Non, toujours pas. Pas de petite musique, pourtant on est bien à la couche. Nous sommes à la couche 7. C'est à la couche 7. C'est quoi? Vous voulez voir de la bedrock? Tenez, on va sortir la bedrock. On va excavationner une bedrock. Pour avoir la preuve que nous sommes bien au minimum possible du jeu. Bedrock, es-tu là? Bedrock, tu es là. Voilà, bedrock. L'incassable bedrock. Et ma pioche vient de me péter entre les mains. Donc non, on va remonter. Et j'ai posé comme un con cette merde ici. À la hache. Moi, je casse la pierre à la hache. Parce que je n'ai aucun respect, vous voyez. Le monde, je l'emmerde. Hein. Moi, la pierre, pour moi, c'est avec une hache que ça se casse. Je l'ai toujours dit. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va remonter, vu que j'ai plus de pioche. On va remonter. On a trouvé un endroit avec des ressources. C'est bien. C'est bien. On a excavationné ma scoble. C'est très bien également. Maintenant. Faut qu'on mette ça à profit et faut surtout qu'on trouve du diamant. Et il fait putain de nuit. Et il y a des trucs qui m'en veulent. Donc cet épisode sera au pire un peu long, mais j'ai envie d'en remonter quand même parce que j'ai pas envie de rester là. What? Non. Bonjour araignée. Comment tu vas? T'es morte comme une merde. J'ai envie de prendre ton XP. Je suis là. XP. Non, je vais pas mourir comme un con non plus. Là-bas, il y en avait aussi de l'XP. Bon, fuck it. On va abandonner l'XP. J'arrive, oh douce nuit. Je monte vers toi. D'ailleurs, tiens, vers le haut, il va falloir que je refasse un escalier. Mais bref, on va y arriver. Je m'accroche, attention. Bon. On va se faire une petite plateforme de remontée ici. Voilà, comme ça, ce sera bien pour la prochaine remontée. Tac, tac. On va éclairer un peu l'escalier et le tunnel pour pouvoir remonter à la surface. Pour éviter que des creepers de merde popent dedans. Non! Désolé vieux. Oh! Sauvé par la flotte! Incroyable. Les creepers ont une chance de cocu de nos jours, c'est incroyable.
Et voilà! Surface, oh belle surface, nous revoilà. Parfait, je vais juste marquer l'entrée de la. Avec des torches. Voilà, l'entrée de la crevasse. Histoire de ne pas me faire avoir. Si jamais je décide de courir comme un débile dans les vertes contrées. Histoire de ne pas faire. Ah, je cours comme un débile dans les vertes contrées. Et s'blaire! Je me tôle comme une merde au fin fond des prés. On va courir. Le village est par là. Parce que j'ai un GPS dans la tête et que le GPS a toujours raison. Et si le village n'est pas par là, eh bien je me sentirai baisé. Deux Enderman. Ça s'affronte. Ça s'affronte, ça se laisse pas en vie, ça. À part qu'on s'attrape. Ah, si vous êtes deux en même temps, par contre. Faut que j'en tue un. Meurs. Allez! Deux Enderperles! Mais c'est tellement facile ce jeu. Tellement facile ce jeu. Je ne comprends pas quelle est la difficulté dans Minecraft. Peut-être c'est le mec qui se bat par une putain d'araignée. Il bat des Enderman en boucle et tout, mais il se fait tuer par une araignée. Oh, je l'ai touché. Je l'ai tué vachement vite, je trouve. Hop, hop, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. What the... Non. Seuil, coup de hache dans la gueule. Voilà. Parfait. Trop facile. Alors. Mes champs, mes squelettes. Mes squelettes, je... Pourquoi ils ont niqué les champs. Bande de fils de pute. Aïe, vous m'enchaînez là par contre. La 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 la. La 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 la. Voilà. Bienvenue chez moi, bienvenue dans ma maison, bienvenue chez moi. Je vous éclate comme des connards. Un petit relis d'Adam. Je hais les creepers. J'ai trop de trucs sur moi. Donne-moi de la terre, j'en ai besoin. La terre, voilà. La terre, juste besoin de terre en fait. Mais il y a Master ici, vous allez pas me faire croire que. Merci, 8 terres quand même. Il y a un moment quand même, j'avais besoin de respect là. Tac. Voilà, parfait. Et le reste, ben, on le rebouchera plus tard. Parce que fuck it en fait. Parce que y a aucune nécessité de reboucher ça maintenant. Voilà, on peut commencer en faisant ça. Parfait. Du coup, j'avais ça à planter. Des carottes à manger. Et à replanter aussi, en passant. Et la pierre à récupérer. Voilà. On va peut-être pouvoir se rentrer. Je sais pas si je libère mes villageois maintenant. J'aurais bien. Personne là-dedans, parfait. Est-ce que je les libère maintenant? Je ne sais pas, je vais... Qu'est-ce que vous faites tous là? Ouah, ils sont une armée. Ouah, il y a... Oh, par contre, il y a des zombies villageois dedans. Je n'aime pas du tout l'idée que vous soyez des zombies villageois. Alors j'ai vraiment un problème avec cette idée. Moi qui viens les achever comme un gros sac. J'ai beaucoup de rotten flesh sur moi. Je vais voir si je peux pas en récupérer et choper une émeraude. Désolé, je vous ai laissé enfermer. Je sais, je suis un connard. Et je le ferai à chaque fois que j'en ai besoin. 50. Qui en veut pour pas. Enfin, qui en a pas besoin de beaucoup. Ah oui, puis je vais les déposer tout le merdier aussi. Bon, une mauvaise idée ça. Tac, déposons le merdier. Non, ça je garde. Ça je vais faire cuire.
Bones, strings, ink sac, ender pearl, les seeds, la gunpowder. Voilà, pour ça c'est bon. Pour ça c'est bon. Voilà, je vais juste aller voir un peu s'il n'y en a pas un qui propose des bons prix. Par rapport au truc de zombie là. Aïe, ça me cassait la gueule monstrueusement. C'est beaucoup. Et toi, Leclerc? 36 et 38, c'est encore trop. C'est trop. Il n'y en a pas un à 20. 25, ce serait bien. Dans l'idéal. 25, ce serait bien. T'es un libraire, toi. T'es un armurier, toi, par contre, faut que je te garde en vie. Très intéressant, un armurier. Oh, pardon. Bon, ce sera 37, hein. Je me disais bien aussi, pour de la viande de zombie, ça me semblait vachement trop facile. Bon, et eh bien, ce sera 37. Encore faut-il que je le retrouve, là. Non. Là-bas. C'est toi, 37? 38. Moi, 138, et puis c'est tout. T'es heureux? Tu te fous de ma gueule? Une émeraude contre deux redstone, oui, bien sûr. 36, d'accord, ok. Il y a 36 juste à côté. Dommage. Dommage. Dommage, on va l'enfermer. Bon bah écoutez, sur ce je vais vous laisser. Moi en tout cas je pense que je vais continuer sur un autre épisode. Et puis voilà. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à bien sûr me laisser des suggestions, etc. Si vous avez des trucs que vous voulez que je fasse, tout merdier, faites ça en commentaire. Bien sûr je lirai. N'hésitez pas également à mettre des pouces verts à la vidéo, ça fait toujours très très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, bien sûr, et à me suivre sur Twitter, les liens sont dans la description. Voilà, sur ce, bah écoutez, j'espère encore que cet épisode vous aura plu. Salut à tous, et à la prochaine. Allez hop.